Salut à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau haul Primark. Je me suis arrêtée chez Primark et j'ai acheté pas mal de petites choses pour l'hiver parce que j'ai presque rien franchement. Je vous montrerai aussi mon colis Amazon en fin de vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve tout de suite pour que je vous montre tout ça. Évidemment, à la fin de la vidéo, il y aura un essayage et je suis désolée, il y a mon chat. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Qui va se reposer là. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre. Je suis désolée parce qu'il y a le bruit de la machine qui est juste à côté. C'est le sèche-linge plutôt. Donc voilà, on commence tout de suite par le premier sac. Le premier sac, il y a toutes les vestes. Donc j'ai acheté une petite veste comme ça, moumoute. Je suis même sûre qu'elle sera un peu trop grande pour moi à 13 euros.
Aussi, j'ai remarqué ça sur Primark. Quand il y avait marqué un numéro ici, par exemple le 42, des fois, il faut mieux regarder l'étiquette parce qu'en fait, j'ai remarqué que sur l'étiquette, il y avait vraiment le vêtement parce que des fois, c'est marqué 42, mais en fait, c'est du 38 par exemple. Il regarde pas forcément les cintres. J'ai remarqué ça il n'y a pas très très longtemps, donc c'est le petit conseil que je vous dis pour Primark. Après, nous avons celui-ci, il est terminé. Un gros manteau, tout moumoute et noir. Ouh, d'accord. Comme ceci, regardez, hop. Pour l'hiver, pour avoir bien chaud. Comme ça, je peux aller au travail en ayant bien chaud vu qu'il va commencer à faire froid en ce moment. Donc voilà, la petite veste. Je peux vous montrer la beige aussi. Hop, je vais vous montrer pour la beige. Je vais les mettre de côté. Et je vais vous montrer pour celle-là. Oh bah, le centre est parti dans. Le centre était parti carrément dans la manche. Donc, voici. Oh, elle est trop belle. J'aime beaucoup la couleur et j'aime bien la texture. Elle est toute douce. Bon, je pense que on va mettre un gros pull comme ça, je pense, en tout, pour avoir bien chaud. Donc, voilà pour cette veste. Je vais la poser sur le côté. Alors, nous passons maintenant au pull. Donc, ici, j'ai craqué pour celui-ci. En ce moment, je suis fan des pulls, vous voyez. Les pulls où ça fait un petit col V. Je suis trop, trop fan. Donc, voici celui-ci. J'ai payé 16 €. Et en plus, c'est du plastique recyclé qui a été utilisé pour le faire. Je suis désolée si l'appareil bouge, c'est juste qu'il y a le fil, j'ai dû le brancher pour faire la vidéo. Et mon chat s'éclate en fait à Kurama. Et même sous un sac là. Et qu'est-ce que tu nous fais toi ce soir? Donc voilà pour le petit pull. Ici, nous avons un deuxième pull. Donc, comme ceci. En noir. J'ai pris vraiment une petite taille parce que je crois que j'ai pris, comme je vous dis, j'ai pris XS parce qu'il me paraît vraiment très très grand. Vous voyez les manches, ça me paraît vraiment grand. Je pense que pour ma carrure, ça sera pas mal. Donc voilà, celui-ci. Bon, bah, le chat est parti dans le sac. J'ai pris un petit pull. Un petit t-shirt noir près du avec un col près du corps. Alors, j'ai pris deux jeans. J'achète normalement pas ce style de jeans, mais j'ai pris deux jeans comme ça. Voilà, c'est pile ma taille. J'ai dû prendre un 44 alors que je fais du 42. Mais la dernière fois, j'en avais acheté et en fait, en 42, ça me coinçait les jambes. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu plus grand. J'ai pris deux. Je vais tout tomber aussi. Et donc, hop, le pantalon ici en marron, 44 aussi, et c'est vraiment que des plastiques recyclés. Donc voilà, en marron. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je suis désolée, le chat il est fou, il est dans un sac et il s'éclate dans le sac. J'ai acheté une petite écharpe noire, toute douce. Ça m'a coûté même pas 6 €. J'ai acheté deux paires de gants à 1,50 €. Je me dis ça fera l'affaire pour l'hiver. Et là j'ai pris beaucoup de couleurs marron et beige parce que j'ai pas ça. Donc j'ai voulu changer un peu de couleur. Ici nous avons un petit legging. Je crois que je l'ai payé 4 €. Mais en fait en caisse j'ai remarqué il est payé à 3,50 €. Donc on va pas se priver. Hein. J'ai acheté des petites chaussures noires comme ceci. Vous voyez là, il y a juste du doré. Elles sont vraiment sympas, j'aime bien le style. Et en plus, elles sont agréables à porter. Donc voilà pour les chaussures. J'ai pris ça, ça a été mon gros coup de cœur. C'est un... Hop, je vais vous l'enlever comme ça, vous allez voir. C'est un sweat, mais c'est vraiment pour rester à la maison.
un sweet moumouit. Avec des petites poches ici. À l'intérieur, c'est rose. Parce que la capuche, je crois, oui, la capuche est en blanc. Et vous voyez la taille. Un grand truc comme ça, tout chaud pour la maison. Et j'ai pris des petits colliers comme ceci. À 4 euros aussi. Plein de petits colliers différents. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je pense que là, c'est beau. Donc voilà, en tout cas, pour ce que je vous ai montré, ce que j'ai acheté chez Primark. Maintenant, je vais stopper. Je vais juste vous montrer le collier Amazon, le temps de ranger un petit peu ça. Et je vous montre le collier Amazon juste après. Donc c'est bon, j'ai rangé tout ce que j'avais à ranger. Maintenant, hop. Attendez, hop, je range un peu. Donc voilà, maintenant j'ai rangé tout ce que j'avais à ranger et je vais vous montrer le petit colis Amazon. Attendez, je regarde juste. Donc pour le colis Amazon, qu'est-ce que j'ai pu prendre? Qu'est-ce que j'ai acheté? Je vais vous montrer tout ça. Attendez, je me bats avec mon colis d'abord. Ok. J'ai acheté un livre que je voulais acheter depuis longtemps, que je trouve nulle part, les dossiers des Warren, parce que j'ai vous allez voir, je vais vous faire une petite vidéo par rapport à ça, que j'adore tout ce qui est paranormal, ça je suis fan de chez fan, je regarde beaucoup de youtubeurs, par exemple on a Jordan, on a GusDX aussi que je vous conseille, je sais pas si je peux mettre leur chaîne ou pas en lien, mais franchement leurs enquêtes paranormales, il y a un autre que je regardais, mais c'est surtout GusDX que j'ai commencé. Après il y en a plein d'autres, il y a Oz, je crois que c'est Oz si je me souviens, il y en a vraiment beaucoup, et franchement moi je kiffe les enquêtes paranormales. Et nous avons aussi notre cher Haken qui raconte des threads. Il en a parlé, si je me souviens bien, il en a parlé des dossiers des Warren. Donc j'ai hâte de vous faire cette vidéo là. Voilà, je pense que ça se lit sur mon visage comment je suis contente. Et j'ai acheté, j'ai pensé quand même un peu à mes cours, et j'ai acheté des fluos. Alors, pas n'importe quel fluo, parce qu'en fait, en ce moment, j'en ai marre de rentrer, sortir. Mes fluos de mon sac. Donc, je me suis dit, je vais m'acheter ça, au moins, ce sera fait. Je sais juste pas comment ça s'ouvre. Bah, parce qu'il y a du scotch en même temps. Je suis désolée pour le bruit dehors aussi, c'est une personne qui est en train de ranger, il a des vieilles voitures, elles sont juste magnifiques. Il en a une beige et il en a une rouge. Et elles sont vraiment belles, elles sont bien entretenues, mais je crois qu'il a quelques problèmes avec... Il est comme moi, il a quelques problèmes avec... Moi je dis quelques problèmes avec ça, mais lui c'est quelques problèmes avec ses voitures, elles sont vraiment vieilles, donc je pense qu'il y a beaucoup d'entretien. Oh bah, d'accord, il y a tout qui se casse. Je suis en train de tout casser. J'adore. J'avais pensé à les mettre. Je pensais qu'on pouvait les sentir comme ça, moi. Oh non. Bon, il y a la moitié qui est restée dedans et l'autre qui est tombée. Oh franchement, Axel. Attendez, je vais essayer de retrouver. Alors là, on a le orange. On a du orange comme ça, je crois. Et je pensais qu'ils se tenaient plus. Mais en fait, dès qu'ils vont tomber... Il va falloir que je les tienne et qu'ils soient bien solides avec moi. Hein. Alors là, nous avons le orange. Orange ? Ouais, ça ressemble à orange vif. Bizarre, ça va par couleur. Oh non, il est là. C'est ce que je me dis aussi. Après, nous, là, on a pris le rouge. Je pense que celui-ci va aller là. Oui, il va là. On va tester comme ça. Comme ça, franchement, demain gauche. Donc voilà. Après, si on va dans la suite, normalement c'est le rose clair. Rose comme ça, je pense. Alors, lequel est le plus fluo? Je pense que ça va être le dernier, je pense. Les roses fluo. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ben, on espère que j'ai bien rangé.
Ouais, ça a l'air d'aller. Je sais pas, peut-être c'est de la changer. Ah oui, ça fait tout de suite plus classe. Donc voilà ce que j'ai acheté. Comme ça, moi, ça m'évite de utiliser cela pour mes cours. Ce sera beaucoup plus simple que de sortir tout le temps ma trousse. En plus, j'ai pas trop de place sur mon bureau pour la trousse. Donc voilà, je pense qu'avec ça, je vais vous faire un petit rangement de mon bureau parce que franchement, là, il est en bazar. Je vais vous faire une petite vidéo comme ça avec rangement de bureau plus ça. Vous verrez, ce sera dans des prochaines vidéos. Donc voilà. Donc par rapport aux vêtements, je vais vous faire un petit haul. Non, oh, pardon, c'est pas un haul. Je vous ai montré, déjà, je vous ai montré les vêtements, c'est un haul. Je vais vous faire un try-on. C'est que je vais faire un essayage avec toutes les tenues. J'ai trop trop hâte de le faire. Je pense que je le ferai demain en gros. On est samedi donc je le ferai dimanche parce que là j'ai autre chose à faire pour le moment. Vous faire la vidéo là et je ferai ça quand il fera un peu plus jour. Comme ça vous verrez mieux les couleurs des vêtements. Même si on les voit bien là, je préfère quand il y a un peu plus de soleil dans l'appartement. Ça donne plus l'envie de faire les vidéos. En tout cas, on se retrouve pour le try-on et on se retrouve aussi pour le rangement de mon bureau. A tout de suite! Pour le rangement du bureau, ce sera dans une autre vidéo qui arrivera bientôt. J'hésite peut-être le faire juste en intro. Vous voyez, de quand je révise mes cours, Study Time. J'espère que ça vous a plu cette vidéo aussi. Donc pendant comme ça, je vous montre ça au début, le rangement de mon bureau. Et après, ça découle, qu'on me sera sur la vidéo de Study Time ensuite. Comme ça, vous pouvez vous arrêter. Si vous n'avez pas envie de regarder Study Time, vous vous arrêtez. Au moins, vous verrez le rangement du bureau. Allez, j'arrête de parler, je parle trop. En tout cas, à une prochaine fois pour cette vidéo-là. Et on se retrouve juste après pour le try-on. Salut, salut, à tout de suite!